Le numéro inédit de Zone Interdite ce dimanche 12 mars est consacré au combat des soignants pour sauver les hôpitaux en bout de souffle. Télé Loisirs vous propose un extrait exclusif et bouleversant de Françoise, retraitée, dont le mari est décédé aux urgences. Un récit dramatique. Après des numéros chocs sur la chirurgie esthétique ou sur la prise en charge des personnages âgés, le numéro inédit de Zone Interdite diffusé ce dimanche 12 mars sur M6 est consacré aux hôpitaux à bout de souffle. Les équipes de journalistes ont recueilli le témoignage de Françoise. Cette ancienne aide-soignante a perdu son mari. Et elle est persuadée que son époux Miguel, mort aux urgences, a été victime de la crise que traverse l'hôpital. En quête de réponse à ses questions, elle a décidé de porter plainte. Dans l'extrait exclusif que vous propose Télé Loisirs, elle raconte, bouleversée, les causes du décès de son être le plus cher. Zone Interdite, le mari de Françoise est mort 4 heures après son arrivée aux urgences. Décidé d'éclaircir les circonstances de la mort de son mari, Françoise a décidé de se confier à un avocat spécialisé dans les droits de la santé. Il avait passé une prise de sang la veille et notre médecin traitant nous avait conseillé qu'il aille à l'hôpital, commence-t-elle. Miguel souffrait d'insuffisance cardiaque. Malgré un document donné par son médecin, lui permettant d'être pris en charge rapidement, le retraité est installé sur un brancard. Il n'est ne ressortira jamais. On s'était fait un petit bisou, se souvient Françoise en expliquant qu'après une heure, son époux lui avait indiqué de rentrer à la maison. Il m'a dit à tout à l'heure, sauf que 4 heures après, l'hôpital la rappelle pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il y a une non-assistance à personne en danger en pleurs, Françoise continue malgré tout son récit de plus en plus glaçant. Pour que son avocat ait tous les détails possibles afin de préparer sa défense, elle raconte que dans le rapport d'hospitalisation est inscrit que son mari n'a pas été pris en charge. Pour moi, il y a une non-assistance de personnes en danger. On n'a pas évalué son état quand il est arrivé. Peut-être aurait-il été sauvé, je ne sais pas, témoigne-t-elle, inconsolable. Aujourd'hui, elle souhaite connaître la vérité, je voudrais savoir de quoi il est mort et pourquoi on ne s'est pas occupé de lui, lâche-t-elle. À lire aussi Zone Interdite, M6, le témoignage glaçant de Bernadette, 72 ans, humiliée et violée par des aides à domicile.